Good morning. Allez, Iden et Tistro aujourd'hui. Les Elohim Shemat Richaron, Ben Fortuné Mazal, Claude Israq, Ben Fortuné Mazal, et Danemir Mbet et Zasayak. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions un Sechat Souka, Perek Gimel, Mishnah Gimel. Aravak Zula Viveisha, Psula. Shalashara Vishal Iran et Dahat, Psula. Nikta Moshan et Fetsuale Vatsaf Tsafa, Psula. Kmusha, Veshenashru, Miktsat Aleha, Veshel Baal. Chaira, troisième Mishnah du chapitre 3, où on parle de la kashrut et des arbat à minimum. Les quatre espèces du lulav. On a eu le premier Mishnah avec le lulav, deuxième Mishnah avec le hadas, maintenant on s'intéresse à la arava. On a gardé le trog pour la suite, parce que pour le trog, il y aura beaucoup plus de lachot. Et c'est fréquent dans la Mishnah, où les petites choses, on les vient en clos vite, les petites choses, comme ça après on peut s'attarder sur des sujets plus complexes. Concrètement, la Mishnah, cette fois-ci, elle s'intéresse à la Arava, elle reprend de nouveau les mêmes domaines qui ont été évoqués dans les autres Mishnayot, en disant « Arava, Gezula, Vivesha, Psula ». Si tu as de la Arava que tu as volée, ou qui a été, qui est sèche, elle est devenue entièrement sèche, elles ont perdu tout leur vert, enfin pas leur verdoyant, sur verdure, enfin bref, elles ont perdu toute leur humidité, elle est devenue complètement sèche, alors elle est invalidée. Aussi pour Gzula, elle était volée, comme on avait expliqué. Premier jour, tu as une obligation que le lave ce soit à toi, donc pas volé. Pour les autres jours aussi, ce qui a été acquis de manière interdite, parce que tu l'as volé, c'est sourd. La arava, c'est fréquent, c'est beaucoup plus fréquent, parce que... Après, il faut s'intéresser, est-ce qu'on si on a pris la arava tchangoy, goy, est-ce que, malgré tout, on n'a pas le droit d'utiliser. Mais en tout cas, on trouve beaucoup plus de sol de partout qu'on trouve de la myrte et qu'on trouve des drogues. Donc du coup, on aurait peut-être tendance à partir en prendre de manière, alors que c'est quand même pas le droit de rentrer. Imaginez dans la cour d'une résidence privée, vous avez un sol, vous allez partir là-bas cueillir de la rava. Sachez que vous avez de la rava psula, vous ne pourrez pas l'utiliser dans votre lave. Il faut y penser. Ça c'était donc Gzula Vivesha Psula. Elle a été invalidée. Shalashera Veshel Iran Dechat Psula. Ce sont deux formes en fait en rapport avec le lave d'Avodazara. Shalashera, c'est que c'est un arbre de sol que quelqu'un a servi en Avodazara, ou Iran Dachat, c'est la cité maudite, c'est-à-dire quelqu'un qui avait des feuilles de Arava chez lui, et il habitait dans la ville, dans la Iran Dachat, que l'Alacha du Iran Dachat, c'est la cité maudite, c'est que le rov de la ville qui a été influencé par quelqu'un, ils sont venus à faire l'Avodazara en groupe, la Torah nous a dit, tu tues tous ceux qui ont fait l'Avodazara, tu les tues. Et les autres, tu les laisses en vie, mais juste, ils perdent leur argent, parce que tout leur argent va tout brûler sur la place publique. Du coup, s'il y avait de la Arava chez quelqu'un, eh ben, cette arava-là, elle est interdite à en tirer profit. Nikta Morosha, sa tête a été coupée. Ouais, c'est aussi hein, quelque chose qui est invalide, s'il n'y a plus la tête. De nouveau, le partenaire, comme dans la mission précédente pour le Hadas, il nous précise que la lacha ne s'est pas retenue, qu'à posteriori, dans la lacha, si la tête elle a été coupée, c'est quand même cachère. A posteriori, mais en tout cas, ça marche. Et ça, c'est pour Nikta Morosha. Nifretsu Alea, c'est que c'est... feuilles sont tombées, ou bien qu'elles ont même été déconnectées de leur tige qui les rattachait, elles pendouillent maintenant avec un petit fil, et bien tout ça s'est invalidé. Et aussi, Nifretsu Alea. Et ça, c'est Nifretsu Alea, vas-y, Atsaftsafa. Atsaftsafa, c'est une espèce, un végétal qui ressemble à la arava, justement. Et là, il ressemble pour beaucoup, apparemment. J'imagine qu'il doit avoir aussi le bois un peu rouge, le dos de la feuille qui est plus pâle que le haut de la feuille. Mais le problème de cette tsafsafa, c'est qu'elle a le bout de la feuille qui est arrondi. C'est la preuve que c'est pas la tsafsafa en fait, c'est pas la arava que la Torah a parlé. Tous ces cas donc sont psula, c'est invalide. Kumusha. Alors kumusha, c'est ce qui est desséché, mais c'est pas desséché, c'est qu'elle est devenue comment dire, elle est devenue noire. Ou bien, Veshenashru Miktsat Alea, ou encore quelques-unes de ces feuilles sont tombées. Veshel Baal Kshira. Je précise, excusez-moi. Kumusha, c'est celle qui a commencé à se flétrir, à faner, à devenir beaucoup plus sèche. Pas dans le sens sèche, dans le sens que, vous savez, quand une feuille d'arbre. Les feuilles peuvent soit sécher et tomber, ou soit elles peuvent plutôt devenir noires, comme ça peut être fréquent, on voit souvent avec la menthe, si vous avez de la menthe à la maison. Regardez au frigo, il y a un moment où elle commence à prendre un coup de vieux, elle devient
Kmoucha, ça s'appelle. Elle devient comme ça un peu moche, ratatinée sur elle-même. Et concrètement, alors ça, c'est pas invalidé parce qu'il y a encore de la chlouchite dedans. C'est encore humide à l'intérieur. Ça, c'est caché. Aussi, pareil aussi, Veshaneshu Miktsat Aléa, qui a eu une minorité des feuilles qui sont tombées. Vous avez votre feuille de Hadas, de Arava, qui doit avoir une taille de 30 cm. Sur la majorité, elle est encore couverte. Il y a eu plein de feuilles qui sont tombées. C'est encore caché. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov. Salam.